Salut Benjam, t'as prévu quoi cet été ? Je vais partir avec des potes. Vacances à Biarritz et puis août, je vais travailler pour les cours. Cet été, je vais travailler. Je taffe 2 mois pour financer un appart année pro à Paris pour continuer mes études. Comment tu finances tes vacances ? Je suis en stage donc je suis rémunéré. Je vais couper des salades. Je travaille dans un restaurant de sushi, je suis serveuse. C'est quoi votre meilleur souvenir de vacances ? On est allé en Italie ensemble. Ouais, l'esprit c'est à 4 euros. À 4 euros face au bord du lac. C'était incroyable. Avec mes cousins en Normandie, c'était sympa, on avait une maison à nous, c'était convivial. C'est quoi les activités qui vous coûtent le plus cher en vacances ? La nourriture. C'est pas une activité, mais manger. Le vin. Le jet ski, ça coûte très cher, le jet ski. Bah, en vrai aussi, quand tu fais une soirée et tout, sortir en bois, ça coûte cher quand même. Vous avez des tips pour payer un peu moins cher ? Non. Aucun, vraiment aucun. Comment tu fais pour financer tes vacances pas chères ? C'est cher, hein. En général, j'essaie de regarder les bons plans sur Internet. Si je te donne 250 euros là, pour les vacances, qu'est-ce que t'en fais ? Je pense que je partirai en Europe, c'est un petit peu moins cher. Pas billet de train, hein. Je sais juste pas. Partir déjà. Ouais, ouais, c'est partir. Ça, partir. Est-ce que vous connaissez départ 18-25 ? Pas du tout. Non. C'est simple. Tu te rends sur le site départ 18-25 pour voir si tu es éligible. Et tu peux bénéficier d'une aide de 250 euros pour financer tes vacances. Ils peuvent financer jusqu'à 80% de vos vacances. Alors après, vous pouvez partir, il y a des choix n'importe où, au bord de la mer, à la montagne, etc. C'est pas mal ça. Ça t'intéresse ou pas ? Bah oui, c'est intéressant. Je trouve. Si tu vas sur le site, tu peux voir si tu es éligible. Puis banco quoi. Ok, bah je ferai ça.